C'est un conte de Disney. Alors c'était Klaus, mon ami de l'époque, qui m'avait fait découvrir les joies de la vie à poil. Klaus était allemand et randonneur. Il y en a qui curieux. Bon, ben, d'un autre côté, je pense que je trouve, hein, je fais un petit peu la voiture balai. Alors donc moi qui suis quelqu'un d'assez... comment on appelle ça? Timide, enfin, pudique. Ça coinçait un peu, quoi, parce que dans ma famille, on était des gens très convenables et on se trimballait jamais à poil, quoi. Il a fallu que j'attende 40 ans pour me regarder le trou du cul dans un miroir. Et voilà, quoi. Pourquoi vous ne l'avez jamais fait? Vous devriez. C'est rigolo. En tout cas, le mien est rigolo. Alors donc, moi j'avais déjà pris des bains de mer la nuit, comme ça discrètement, ça m'est déjà arrivé. Mais faire son auto cul nu, c'était une grande première. Parce que vous savez, là-bas c'est un petit peu comme Disneyland. Il y a des commerces, des hôtels, des restaurants, une poste, un club 18 trous, enfin quand il n'y a pas de clients. Et tout le monde est tout nu. Même le facteur, il était tombé. Il s'est tombé sous sa casquette. Ça bouge avec la bouche. Ça fait bavard. Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'attendais toujours. Maintenant, bavard, il sortait un petit peu du lourd. Hein. Parce que j'en ai vu des vieux HUD, des tristes saucisses dans leur lit, des bonnes pâtes fraîches et des pifs lapis. J'avais l'impression d'être au musée d'hippopotame. Alors, le premier truc qu'on a fait, c'était aller au 8 à 8. Au 8 à 8. Alors là, c'est la première fois que je m'habillais en cabas. J'avais pris un immense sac. Quant à Klaus, il était avec sa banane au-dessus de sa banane, des soquettes avec des sandalettes, un bob. Très très sexy, Maïlibe. Alors là, t'es là, tu cherches, t'es en train de toucher les melons. Oh pardon madame, excusez-moi. Tu te demandes si le chef de rayon n'est pas planqué dans la pyramide de carottes. Le boucher, il a un tablier avec écrit « Tout est bon dans le cochon ». Et quand il se retourne, tu te dis que tout est taché chez le boucher. Et alors après, tu fais la queue à la caisse. Non mais ça suffit, oui. Et alors? Et après t'attends la dame là qui est à la caisse, qui a les deux seins coincés dans son orchestre. Non mais le truc le plus hallucinant que j'ai fait vraiment, c'est d'aller à l'hippopotamus. Vraiment de bien plaisir. Alors là, tu rentres dans une grande salle, il y a les gens qui sont assis derrière leur table, des lotions posées sur des petites serviettes en papier. Alors, tant que t'es coincé derrière ton menu, là, la moustache sous la nappe, tout va bien. Au moment où il y a le garçon qui est tout nu aussi, d'ailleurs, et qui te demande si tu veux un apéritif. Oui, un kiki. Comment dire? Un kiki, enfin, un kir. Pardon? Royal? Oh non. Alors tout allait bien dans le meilleur des mondes, des gens tout nus, jusqu'au moment où j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Alors comme je ne pouvais pas prendre mon nu en guise de pack, l'idée c'était de traverser la salle cellulite au vent avec les traces de la chaise en osier sous le cul. Je peux revenir, ça veut dire dégager sans bout de PQ coincé dans la challenge. Surtout que moi, quand je suis un peu angoissée, j'ai un peu la délirette, voyez. J'avais peur de revenir avec le pompon bouché. Ça, la vie nous envoie des épreuves, hein. Ouais. Bon, ça s'est à peu près bien passé. J'ai juste flingué l'équivalent de la formation des boulots. Mais il fallait bien ça, je vous dis. Hein. Ça, c'est clair. Bon, au bout de
trois jours, je suis rentrée à Paris, j'ai quitté Claude. Moi, j'avais les seins rose fluo, les fesses rose fluo. Si vous voulez, le nudisme, c'est pas vraiment pour moi. Ça fait pas partie du spectacle. Non, mais si vous voulez, on pourrait faire des je sais pas moi, des églises nues. Ah bah tiens, des mosquées là, au moment où ils sont tous comme ça. Des spectacles, j'en sais rien, tiens. Théâtre. Nu. Moi qui nu. Eh, hey, ça le fait quand même, hein. Voilà, là, là, là. Et puis, vous, tout nu. Non, mais je crois qu'on va pas le faire.